Et salut les amis, bienvenue dans le Ford Explorer qui sortira à la rentrée. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une petite présentation globale du modèle. C'est pas vraiment un essai, on n'a pas pu le conduire non plus, mais je vais vous montrer un petit peu l'intérieur, l'extérieur de cette voiture. Vous allez voir que si vous hésitez entre un Enyaq, un ID4 ou ce nouvel Explorer, eh ben Ford a quand même quelques arguments, même si ici on est sur un cousin de l'ID4, c'est la même plateforme technique et il y a beaucoup de choses en commun, comme on va le voir. Bon, déjà on parle du design qui plaît vraiment beaucoup, en tout cas moi je trouve bien plus réussi qu'une ID4. On retrouve bien les codes de l'Explorer avec cette grosse calandre bien assise. Et pour autant, il y a aussi beaucoup de finesse, comme dans cette signature lumineuse qui vient se prolonger ici sur les flancs. A noter que les feux Matrix LED sont disponibles uniquement avec le pack Premium. Alors ici, on est chaussé en 20 pouces avec des jantes très aéro, mais vous pouvez aussi rester en 19 pouces pour maximiser l'autonomie et le confort, évidemment. A noter d'ailleurs qu'on n'a pas de suspension pilotée, contrairement au groupe Volkswagen, mais nous, on a pu expérimenter cette voiture sur des petites routes, et honnêtement, il n'y avait pas trop de roulis, et la voiture était plutôt bien amortie. Bon, on va le voir, c'est aussi grâce au siège. Alors la garde au sol est plus élevée que chez Volkswagen, jusqu'à 19 cm sur la version 4 roues motrices, qui peut être assez pratique à la montagne. Alors j'aime aussi beaucoup l'arrière, avec ce petit béquet, le gros bandeau noir, ça donne un style à la fois sportif mais aussi très baroudeur. Notez la présence d'un essuie-glace, si pratique des jours comme aujourd'hui. Alors même s'il a l'air assez massif comme ça, il mesure en fait que 4,46 m de long, soit exactement comme le nouveau Scénic, mais il sera plus court de 12 cm face à un ID4, et même plus court de 25 cm, regardez, face à la Mustang Mach-E. Alors comme vous le voyez, le diamètre de braquage est excellent, surtout ici en propulsion, on est à 10,25 m, 11,35 m sur la version 4x4, pas mal du tout. Alors on a 2,76 m d'empattement, ce qui profite aux passagers, et seulement 1,62 m de hauteur, ça c'est bon pour l'aéro. En revanche, c'est une voiture assez large, 1,94 m sans les rétros, et même 2 m une fois qu'ils sont déployés, c'est assez énorme quand même. A noter qu'on peut aussi tracter 1000 à 1200 kg et charger le tout à 75 kg. La voiture pèse environ 2 tonnes avec la grosse batterie, ce qui est dans la moyenne à peu près. Alors malgré ses dimensions contenues, regardez-moi ce grand coffre de 450 litres et même 532 si vous le remplissez jusqu'au pavillon, c'est quasiment autant qu'un ID4. On a même un sous-coffre pour ranger ses câbles, et ça c'est indispensable en l'absence de frunk à l'avant. Alors on a trois tailles de batterie, 55, 82 et 84 kWh, et l'autonomie oscille entre 532 km sur la version Premium 4x4, 602 km pour la version propulsion, mais par contre on connaît pas les autonomies pour la petite batterie. Côté recharge, Ford annonce entre 26 et 28 minutes pour le 10-80%, ce qui est vraiment très très bien. Enfin, un mot sur les moteurs, de 170 et 285 chevaux en propulsion, là on a pu faire un petit 0 à 80 avec ce nouveau bloc de près de 300 chevaux, et franchement les amis, ça envoie vraiment pas mal. La version 4x4, elle pousse à 340 chevaux et 250 Nm de couple, avec un 0 à 100 à 5 secondes 3 contre 6 secondes 3 en propulsion, c'est tout à fait honnête. Franchement, c'est beaucoup mieux que les 204 chevaux des premiers ID4. Allez, petit tour de l'intérieur qui ressemble donc beaucoup à Volkswagen, même si Ford, regardez, a rajouté sa petite touche quand même. Alors bon, les plastiques sont un petit peu moussés, mais c'est quand même assez vite dur là dans les parties basses. On retrouve le système de vitres de Volkswagen, vous voyez, avec le petit bouton pour les vitres arrière, ça c'est vraiment pas terrible. Tous les systèmes de phares de Volkswagen, les Komodo Volkswagen avec les commandes de boîte, vous voyez ici. L'écran, c'est exactement le même ici, bon il a été rebadgé un peu Ford. Le volant, il est tout nouveau, mais par contre, on a toujours ces horribles commandes tactiles que j'aime pas du tout. Donc ça, ils auraient pu mettre des boutons. Là, ils l'ont pas fait. D'ailleurs, ils l'ont pas fait, regardez, non plus ici sur la console, puisque pour changer le son, il faut appuyer comme ça, là, et puis laisser enfoncer. Donc ça, c'est un petit peu casse-pied. Après, voilà, on a toujours les boutons tactiles aussi pour ici les warnings. On fait le tour un peu de la connectivité. Vous voyez qu'on a une zone de charge, pas deux. On a le double porte-gobelet. On a cette énorme console centrale d'une capacité de 17 litres. Donc là, vraiment, vous pouvez mettre, alors on nous dit quasiment un ordinateur, bon, un petit ordinateur quand même. Alors l'intérieur ici, regardez, on est sur une version premium, donc c'est assez bien fini. Je vous mettrai aussi des images de la version classique, mais moi j'aime beaucoup cette planche de bord là, avec une espèce de petit tissu, c'est faux carbone ici, c'est quand même un petit peu moussé, donc c'est pas trop mal. Et vous voyez, on retrouve vraiment, voilà, là c'est vraiment du pur Volkswagen pour les lumières, pour ici les pare-soleil, pour le toit panoramique aussi. Alors par contre, les sièges sont hyper agréables, beaucoup plus ergonomiques que chez Volkswagen. Moi, j'aime beaucoup ce style, et certains modèles sont même extrêmement confo. Vous voyez, sur la version premium, on a des beaux accoudoirs comme ça, bien rembourrés. Donc ça, c'est quand même assez agréable. Alors le siège passager, lui, a droit à uniquement des commandes manuelles. Voilà, même s'il est chauffant, évidemment. Alors on a aussi ce magnifique toit panoramique, mais qui n'est disponible que sur les finitions hautes. Pas de rétro caméra, c'est des rétro classiques. Je m'installe à l'arrière, les amis. Donc, plutôt pas mal de place aux jambes. Vous voyez qu'ici, c'est quand même bien creusé. Deux petites prises USB, bonne visibilité, aussi beaucoup d'éclairage à l'intérieur avec ce toit panoramique qui n'est pas disponible sur toutes les versions. Les petites poignées, regardez, il y en a quatre. Il y a aussi de la lumière.
Donc là, je suis plutôt bien installé. J'ai le petit appui-tête ici. La place centrale est pas terrible parce que évidemment, il y a toujours cet accoudoir qui, bon, voilà, on va dire qu'il ne sert pas à grand chose. Mais vraiment, là, on est pas très bien installé. Par contre, il n'y a pas de tunnel central. Vous voyez ici, avec mes pieds. Donc on peut quand même voyager à trois. Je vous montre la boîte à gants qui est quand même plutôt pas mal. Voilà, une bonne capacité. Et surtout, regardez, le petit truc en plus, c'est qu'on peut cacher des affaires là-dessous. Alors voilà, ça fait basculer tout l'écran. Je sais pas comment ça va durer. Je sais pas si c'est vraiment utile d'avoir ça. Mais en tout cas, pour planquer des trucs, c'est pas mal. Si les voleurs ne connaissent pas l'astuce. Alors on nous a dit aussi que ça se bloquait quand la voiture est verrouillée, ce qui est quand même plutôt pas mal. Sachant que derrière, voilà, ça va être assez dur de casser tout ça. Alors je vous montre un petit peu l'écran qui fait un petit peu moins de 15 pouces, qui est sur la hauteur, qui est, je trouve, assez ergonomique, puisque regardez ici, on a toutes les fonctions de climatisation qui restent affichées en permanence. Ça, c'est vraiment très bien pour, voilà, avoir les sièges chauffants, les petites commandes de clim ici. Vous voyez qu'on peut régler encore ici à la main. Bon, pendant la conduite, c'est quand même assez bas, donc pas forcément très évident. On a bien sûr le même système de widget, hein. Vous laissez appuyer ici et vous pouvez modifier chaque petit widget, donc par exemple ici. En fait, la disposition est sur la hauteur. Moi, je trouve ça assez intéressant parce que on peut mettre CarPlay au centre, je vous mettrai des images, avoir encore des widgets en haut et en bas, donc c'est plutôt pas mal. Après, c'est la dernière version, hein, du système, donc qui fonctionne un petit peu comme ce qu'on avait l'habitude de voir sur un ID4, sur un Enyaq aussi. Les modes de conduite, sport, éco, individuel, bien sûr. Je vous montre le menu recharge qui est quand même assez intéressant, puisque ici on a le planificateur, voilà, d'itinéraire, avec, regardez, l'autonomie à destination, l'autonomie à la recharge. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On a aussi du V2L dans cette voiture. On peut aussi démarrer manuellement la chauffe de la batterie, le préconditionnement. Donc ça, c'est vraiment plutôt pas mal. Bien sûr, changer la limite de recharge. Et voyez que, comme sur les dernières Volkswagen, on sait à combien on peut recharger. Et là, si je démarre le chauffe-batterie, petit à petit, ce chiffre va augmenter. Bon, la navigation, c'est exactement la même que chez Volkswagen, hein. Avec le système, on peut filtrer, vous voyez, avec Unity notamment. Ça, c'est assez pratique. Moi, j'aime bien l'interface, je la trouve assez stylée. Alors, vous voyez qu'on peut aussi personnaliser l'interface à l'intérieur. Ça, c'est quand même assez sympa de pouvoir changer les petites lettres. Bon, là, on voit pas bien parce que effectivement, il fait quand même relativement jour. Bon, les assistances au conducteur, on retrouve exactement la même chose que chez Volkswagen, avec le maintien dans la voie. Le changement de voie aussi automatique, les petites alertes, les alertes de survitesse. Alors, j'ai pas trouvé le raccourci pour les enlever, mais en tout cas, on peut les enlever ici, vous voyez. Bien sûr, on a du CarPlay, du Android Auto, sans fil, un assistant de stationnement aussi. La navigation, malheureusement, c'est celle de Volkswagen, c'est pas celle de Ford. Donc on a le planificateur qui est pas terrible, je trouve. Allez, petit exemple, on va à Paris. Regardez, il nous met les stations de charge, donc que du Unity, très bien, c'est ce que je lui ai demandé. Donc à voir, voilà, si c'est un petit peu meilleur que ce qu'on avait pu tester jusque là chez Volkswagen. Je vous montre les consoles. Là, on est autour de 20, on est descendu à 16 sur certains modèles. Bon, c'est dur à dire là sur des essais presse comme ça qui sont absolument pas standardisés. Et on peut afficher la console aussi en permanence avec ces petits widgets. Donc ça, c'est vraiment comme chez Volkswagen. Allez, on termine avec les tarifs assez compétitifs face à Volkswagen, mais aussi à Renault et Peugeot avec leur nouveau 3008 et Scénic. Surtout, regardez cette version avec la grosse batterie qui est sous le bonus, mais en version propulsion. Si vous voulez le 4x4, notamment en Suisse ou à la montagne, là, ce sera plus cher qu'un modèle Y. Pas sûr de convaincre les clients à ce prix-là. Bon, les amis, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, en attendant, je vous fais des gros bisous. On n'oublie pas de liker, de s'abonner à la chaîne. Ciao, ciao.